dans cette vidéo, nous allons finaliser la partie service. Donc, nous allons nous concentrer sur la transformation de notre contrôleur de sorte qu'il aille utiliser toutes les fonctionnalités offertes par le service. Donc, on va commencer donc par cette partie-là, GetToDos qui a été finalisée. Donc, c'est bon. Donc, on va passer à la partie Add. Donc, réellement, je vais aller récupérer tout le code directement au niveau de mon contrôleur puisqu'on l'a déjà fait. Donc, ici, au niveau du poste, nous avons notre AddToDo qui va récupérer une nouvelle instance de ce to-do là. Donc je vais récupérer tout ce code là, je vais le couper. Au niveau de mon service, je vais mettre ça, hop. Et là on va lui dire bah tu vas récupérer un objet new to-do de type add to-do DTO. Voilà, et ça marche. Donc on aurait pu ne pas instancier ici un objet et finalement faire quoi? Tout simplement faire un const todo égal, je vais le récupérer ici, CTRL X, ici je vais lui dire const id égale ça, const id égale ça, et là je vais venir mettre tout ça ici, hop. Et là, je vais tout simplement créer mon to-do. Donc, le ID, je vais mettre ID parce que directement, je vais récupérer cet ID-là. Après, je vais mettre name qui va être la propriété name que je vais récupérer ici. Tout ça, donc, je vais l'enlever. Ensuite, ça va être description. Et finalement, je vais mettre created at new date. Voilà, point to local string. Date string, voilà. Je vais récupérer ma petite date. Qu'est-ce qui le dérange ici? No value exists in scope. Bah, ça va être dans le if ou dans le else. Donc, ok. Ici, je vais lui dire bah, let id égale let id point virgule. Et ici, on va faire ça, tout simplement. Voilà. Donc, on a notre to-do et on va retourner ce to-do là. On peut aussi faire ça, tout simplement, return to-do ou bien return ça directement. Et hop, on a un code de meilleure qualité. Voilà, ça c'est notre add-to-do. Et ça retourne un objet de type to-do. Qu'est-ce qui le dérange? Type string is not assignable to type. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est au niveau de l'affichage qu'on va le faire. Donc ça, c'est au niveau du to-do controller. Donc ici, au niveau de notre fonction addTodo, on va lui dire quoi? Bah, on va tout simplement lui dire, bah, tu as un service qui fait ce que tu as besoin d'avoir, donc point addTodo, et on va lui passer le new to-do. Et on va directement retourner ce que le monsieur nous retourne. Et ça marche. Et donc, dans ce addTodo là, on va lui dire bah, que tu vas retourner un objet de type todo. C'est le nouveau todo qui a été créé. Donc, ça, c'est bon. On a notre getTodo by ID qui va faire ça, en fait. Donc, nous, on va prendre tout ça et on va le mettre directement au niveau de notre service. Donc, ici, on aura une méthode qui s'appelle getTodo by ID. D'accord, qui va prendre le ID et qui va retourner quoi? Un objet de type todo, tout simplement. Et on va mettre tout ce code là et ça va directement marcher parce que tout ce qu'on a besoin d'avoir, on l'a déjà. Et ici au niveau du contrôleur, je vais lui dire bah ça va être this.todoService.getTodo by ID et je vais te transférer l'ID en question. Ici, on aurait pu être un peu plus explicite en disant que cet ID-là au niveau de mon to-do, il est de type number. Et là, automatiquement, on va enlever ce plus-là ici. Et là, au niveau du to-do controller, puisque ça, c'est un truc de type number, je vais ajouter un petit plus. Et là, je vais retourner ce que le monsieur me retourne. Et ça marche. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
Et ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le delete. D'accord? Donc, je vais récupérer tout ça. Hop. Et je vais le mettre au niveau de mon service. Si je vais lui dire, bah, je vais avoir une méthode delete todo qui va prendre l'ID de type number et qui va faire tout ça. Voilà, ça marche. Parfait. Et donc au niveau du contrôleur, je vais juste lui dire, bah, tu vas aller me chercher mon todo service et tu vas aller me supprimer ce todo-là en récupérant l'ID que je te passe et que je convertis entre-temps en un entier. Parfait. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? C'est la partie put. Donc le put, je prends tout ça. Je vais aller au niveau de todo service. Je vais créer une méthode que j'appellerai update todo. Elle prendra en paramètre un ID de type number et un todo de type partial todo plutôt update. Est-ce qu'on a créé un DTO pour nous? Non, on ne l'a pas fait, on aurait dû, mais c'est pas grave. Donc partial to do, on le fera après. Allez, c'est pas grave. Et ici, hop, je vais prendre tout ça. Donc ici, c'est comment on l'a appelé nous ici? New to do. Ok, new to do. Hop. Et là, au niveau du to do controller, on va faire quoi? This.todoservice.updateTodo. Je vais te passer en premier paramètre plus ID et ensuite je vais te passer mon new todo. Et là, je vais retourner tout ça. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui dérange ici? C'est normal, ça, je l'ai mal écrit. Hop. Voilà, tout ça marche. Mon to-do controller, maintenant, il ne contient que des appels au service. Donc, le rôle réel du to-do controller, le rôle réel du contrôleur a été respecté. Le rôle du contrôleur, c'est de récupérer la requête et d'appeler la personne susceptible de faire le travail nécessaire. Si on revient au schéma que nous avions vu au début, lorsque nous avons défini le rôle réel du contrôleur, eh ben on va se trouver avec le code qu'on vient d'écrire. Donc, architecturalement, on est bon. Une seconde, je cherche, voilà, ce schéma-là. Et donc là, on a notre client, il va envoyer une requête au contrôleur et le contrôleur va contacter les services de repository pour faire le traitement nécessaire. En fait, même ça, on peut le modifier parce que le repository, on va faire en sorte que le contrôleur ne l'appelle pas, mais ça soit le service qui va aller communiquer directement avec le repo. Parfait. On va juste rapidement vérifier si ça marche ou pas. Je vais poster un todo. Internal server error. Donc déjà, j'ai une erreur ici au niveau de mon todo. Donc je vais aller au niveau du terminal. Et qu'est-ce qu'il y a? Can't read property length of undefined. Il a raison parce que ici, au niveau du todo service, j'ai défini l'objet todo, mais je ne l'ai pas initialisé avec un tableau vide. Donc au départ, lorsqu'il va faire un length, il va voir que todo, c'est undefined, c'est une variable qui contient rien. Et ce qui fait que ça va crasher. Donc je vais libérer mon buffer, juste pour avoir plus de lisibilité, et ça devrait marcher. J'envoie, ça marche. Donc, second, c'est mon second todo, ça devrait marcher. C'est bon. Si je fais un get, ça me retourne un tableau vide. Pourquoi?
Qu'est-ce qui cloche ici? Une seconde. Add to do. Get to do, ça me retourne ce tableau-là. Return this.todos. Et au niveau du contrôleur, le get todos this.todoService qui va me retourner un tableau de todo et ça va me retourner ça qui lui va aller chercher ça. Et dans le add, voilà, j'ai oublié le push tout simplement. C'est normal donc. Donc ici, je vais lui dire. Ah. Donc ici, c'est const todo égale ça. Je vais faire un this.todos.push de mon todo. Et je vais retourner mon fameux todo. Et ça, c'est bon. Donc, il faut toujours vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc je reviens, je poste le second, je poste un third, je le poste avec un ID 2, donc ça devrait marcher maintenant. Je fais un get, je récupère la liste de mes to-do, je fais un put sur le premier new to-do, name 1, new description, ça marche. Si je récupère la liste, il est modifié avec la date qui a été créée, vous voyez. Si je fais un get by ID, le 3, il va me retourner une erreur. Si je récupère le 2, ça devrait marcher. C'est bon. Et si je fais un delete du 2, c'est bon. Et si je vais au niveau... Pourquoi il ne me retourne rien au niveau du todo delete? Ok, on va modifier ça. Juste pour voir est-ce qu'il l'a supprimé, il l'a supprimé. Donc la seule chose qui cloche, c'est au niveau du service, au niveau de la méthode deleteTodo, je return ça. Et est-ce que mon todoController return ça au niveau du delete? Voilà. Il manque le petit return ici et ça devrait marcher. Et on a tout bon. Donc voilà, nous avons pu transformer notre code. On a un code bien factorisé en respectant l'architecture que nous avions définie. Et donc, on a aussi respecté le design pattern dry. Don't repeat yourself. Donc, on a une couche qui s'occupe de la partie contrôle. Notre service, il expose ses fonctionnalités. N'importe quelle classe maintenant qui en a besoin, elle va aller la chercher directement au niveau du service. Et on a utilisé le design pattern injection de dépendance qui lui utilise le dependency UI aussi. Pour injecter en fait les services au niveau de notre classe contrôleur. Voilà, on a fini donc avec cette partie qui concerne les providers. Donc ça c'est complete, très bien, et on va la mettre dans la liste des tâches terminées. Ah, on avance, parfait, à la prochaine.